Écoutez, par où commencer? Au début du jeu, faut que tu choisisses ta langue. Fait que j'ai appris assez vite à dire Game Over en allemand, hein. Par contre, je trouve ça plus réussi que les autres jeux sur le marché. D'abord, les contrôles vont vraiment mal. Ce qui fait que ça pratique ta patience. J'aime bien la musique. C'est la même musique que dans les albums. Mon Game Boy devenait bien ben chaud, bien vite. Il brûlait après tout le temps. Mais c'était pratique parce que j'avais souvent fret à l'appart. J'y comptais mes problèmes. Puis ben lui, il répétait à personne. Pas comme le psy à l'école. La première relation sexuelle que j'ai eue, c'était avec un Game Boy. Puis les plus récentes aussi. J'ai trouvé moyen de me couper des centaines de fois après ce Game Boy-là. Il est plein de sang séché. C'est vrai que l'intrigue rivalise avec celle des meilleurs albums. Elle est poche. Chez nous, on n'avait pas de TV jusqu'à Noël. Parce qu'on a reçu une grosse boîte. Puis moi et mes frères, on l'a ouvert. Puis c'était une grosse TV. On capotait, les voisins avaient ça, tu sais, on l'a branché, on a écouté ça. Puis après 2 heures, mon père est arrivé avec un couteau. Puis il a coupé le fil de la TV. Puis il a dit pas de TV pour vous autres. Puis il nous a donné une claque derrière la tête. C'était mon troisième meilleur Noël. J'ai capoté quand j'ai vu qu'ils ont fait des bandes dessinées de Lucky Luke. C'est la première fois que je voyais des bandes dessinées basées sur un jeu de Game Boy. Je veux dire, imagine un roman basé sur Tetris, tu sais. Imagine un radio-roman basé sur Mario Paint. Je voyais pas le temps passer. On n'avait pas de fenêtre ou d'horloge. Mais maudit que les journées étaient longues. Si j'ai un fils, un jour, il va jouer à ça. Que ça lui tente ou non. Ça, j'explique ça tout le temps dès la première date. T'as quoi mon meilleur Noël? C'était tout sûr avant que je reçoive ce petit jeu-là. Ça, j'ai beau jouer à ça depuis que je suis jeune, hein. Je suis moins bon que dans le temps. C'est comme le contraire de jouer du violon. Hein. Des fois, je volais des batteries à mes parents. Puis, ils me donnaient des coups de ceinture. C'est drôle qu'on me demande de venir parler de ce jeu-là. Ben, c'est pas vraiment drôle, puis on m'a pas vraiment demandé de venir en parler, là, mais. Ça paye combien? Ah, c'est moi qu'il faut qu'il vous paye. Mais certainement.